Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyons Reborn, votre chaîne préférée. Waouh, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire de vous voir aujourd'hui et c'est bien. Et si vous voulez savoir, je suis choqué. Je suis vraiment choqué parce que je viens de voir. J'avais bien envie de vous montrer les images ici, mais ça ne sera pas possible parce que ce sont des choses trop lourdes, trop dures. Si vous voulez voir, vous pouvez aller juste sur Google et taper tout simplement ce que vous devez taper pour pouvoir découvrir ce que nous allons voir. Je vais vous expliquer ici. Mes frères et sœurs, ce monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un bon monde. Amusement à part, ce n'est pas un bon monde. La terre sur laquelle nous nous trouvons, le monde auquel on appartient, vraiment, c'est pas ce qu'on croit qu'il est. Si vous êtes dans un endroit où tout le monde est toujours en joie, on s'amuse, dites même Dieu merci. Remerciez Dieu. Mais parce que ce que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est même plus grave que grave. J'ai vu quelque part en Asie, j'ai vu une fête à laquelle on fait la fête de la viande. Au coup de la fête de cette viande là, on tue les animaux. Si c'était n'importe quel animal, ça n'allait pas me faire mal. Ça me disait qu'on tuait par exemple je sais pas quoi, la bonne viande qu'on peut manger. J'ai dit ok, c'est normal, de toute façon c'est accepté dans notre monde, on peut accepter. Mais c'est pas n'importe quelle viande. Ce sont des animaux de compagnie des humains qu'on tue. Et moi j'aime beaucoup cet animal. C'est lequel? D'après ça, vous l'avez trouvé. C'est le chien. Ah! Durant mon enfance, j'ai eu beaucoup de compagnons. Même beaucoup de meilleurs amis. Parmi mes meilleurs amis, il y avait aussi les chiens. Les animaux, les chiens. J'aime beaucoup les animaux. Et ce que j'ai vu, ça m'a choqué. Au cours de cette cérémonie, on tue beaucoup de chiens comme ça. Ah! Est-ce que vous avez déjà vu un chiot? Est-ce que vous avez déjà vu la naissance d'un chiot? Comment le chiot grandit, après devient un chien. Moi, Dieu m'a fait la grâce de connaître tout ça. Et voir comment les gens tuent les animaux, surtout les chiens, ça m'a vraiment choqué. Et quand j'étais sur cette recherche, pour vous préparer même la vidéo à venir, j'ai même trouvé encore d'autres choses qu'on ne pourra pas vous montrer ici encore. Là, mais ça va plus. C'est plus calme. Là-bas, j'ai vu une boucherie pour cannibalisme amateur. Et ce qu'ils font là-bas, là, mes frères et sœurs, on va vous le dire. Ce qu'ils font, c'est que à la place de la viande de bœuf, eux, c'est la viande humaine. C'est-à-dire c'est l'homme que eux ils dépècent, ils coupent en morceaux pour vendre aux champs. Tu peux voir les mains des gens. Là, ça va vous choquer. Tu peux voir les pieds des gens. Là, ça va te choquer. Tu peux même voir la tête des gens. La plupart est encore nous montrent ça dans les clips. Même il y a un nouveau clip qui vient de sortir même. Ou dans le clip. Ça, c'est en ce moment. Vous pouvez aller voir. Même dans le clip là. Les gens se battent jusqu'à un moment donné. L'homme met sa main au milieu du cœur de l'homme, de l'autre personne, une autre personne. Juste par jalousie, il enlève le cœur et il donne le cœur à la femme qu'il aime. Et elle aussi, elle aime ça. Elle a pris. Ça, c'est quoi ça? Mes frères et sœurs, le cannibalisme, c'est cette chose qui amène le méchant à consommer de la viande humaine. Toutes ces choses que nous sommes en train de vous expliquer ici se passent dans ce monde. Même si la plupart du temps, le monde qu'on nous montre ressemble à ça.
Que vous voyez, c'est ça le monde qu'on nous montre. Un lieu à découvrir, un endroit hors du commun. Et tout est grand ici. Mais ce que les humains font aujourd'hui, c'est pas de la blague. C'est tout sauf de la blague. Regardez encore. Comme vous le voyez, on voit une personne qui est juste là, en train de causer avec son meilleur ami. Si vous, votre meilleur ami, c'est un chien, souhaitez-vous qu'on abatte, c'est votre meilleur ami, juste pour que les gens mangent. Même si c'est la dernière chose, même si c'est la dernière chose qui reste de vivre. Je ne tuerai pas mon chien. Regardez ça. Notre monde est multidimensionnel. Là, on voit des gens qui sont, on peut dire que ce sont des pirates. Et pour les bateaux, voilà, ils sont en guerre. Oh, où vas-tu? Ils sont juste en guerre comme ça. Et chacun veut gagner. Et cette guerre des pirates là, est-ce que ça continue? Moi, je pense que c'était modernisé de nos jours. Cette guerre existe, mais c'était modernisé. Ils se transformaient en quelque chose de simple et puissant. Regardez même les gens, ils ont battu ce qu'ils sont même dans l'eau. La guerre, c'est pas une bonne affaire. Regardez, ils sont même dans l'eau. Ils veulent sauver leur peau, ils veulent sauver leur vie. Dans cette situation, nous tous ici, nous devons apprendre à nager. Parce que si tu ne veux pas nager, là, ça sera même chaud. Hein. Hein. Regardez ça. Le monde a connu tas de violences. Tas de trucs qu'on ne peut pas vous expliquer ici. Et ce genre de choses sont l'œuvre des démons, c'est vrai. Mais les hommes eux-mêmes se sont laissés avoir. Regardez comment le serpent même associé grandement au père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez comment les hommes vont accepter le démon dans leur vie. Et voici même, on parle de la zone 51. Pas des gens qu'on ne connaît même pas qui vont venir de la zone 51, ce sont les extraterrestres ou encore les aliens. Oh, c'est les aliens, aïe 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 aïe, ils arrivent à cause de papillons. À cause de papillons, les gens sont en train de se fatiguer. Et les gens parlent depuis. Et ils parlent d'aliens. Nous savons tout ce que les aliens dont les gens sont en train de parler même depuis. Ce sont les démons. En fait, ce sont les démons que les gens appellent aliens. Et regardez ça. Quand on parle des démons, ça existe en réalité. Regardez moi-même ces créatures. Ça, c'est l'esprit du mal incarné. Il est même bien bâti pour la guerre. Est-ce que vous voyez ces ongles? Vous voyez comme ces ongles sont longs, non? Les femmes sont là en train de mettre de faux ongles. Ils sont très longs comme ça. Les gens sont en train de chercher à ressembler aux démons. Aux démons là. Parce que même ces ongles sont des armes pour lui. Pour ce démon là. Et regardez, il a même un compagnon, regardez même son compagnon qui est en bas. Le voyez-vous? Regardez là. Ils sont même devant vous ici. Et ici, on se trouve où? On se trouve tout simplement dans le monde spirituel. La guerre spirituelle dont on parle même là, ça ressemble à ça. Ça ressemble. C'est ça. Il y a le monde physique et il y a le monde physique. Un monde visible
et le monde invisible. Dans le monde invisible, tout est possible là-bas. Tu peux juste imaginer un truc et ça arrive. C'est ce que les gens appellent la magie. C'est ce qui se passe en réalité. Et il y a les démons, regardez même les démons qui sont là. Tous ces démons que vous êtes même en train de voir ici, ils existent en réalité. Hein. Mais en ce moment, ils sont dans un endroit bien caché. On nous dit qu'ils seront libérés au dernier temps. Regardez même à quoi ça ressemble. C'est vraiment un truc assez compliqué à voir. Hein. Vraiment, ça fait peur. Et une femme est en train de causer. Elle cause avec son cheval. Les chevaux peuvent parler. Quand nous deux ne serons plus de ce monde et qu'on aura la grâce d'aller au paradis, nous aurons la possibilité de parler avec les animaux. Causer avec eux, nous aurons le même langage. On va se comprendre. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, même en ce moment, je suis de vous parler là. Est-ce qu'il y a une personne mythique qui peut causer avec des animaux? T'as vu, il a laissé son chien à la maison, il sort. Quand il revient, tout ce qui s'est passé la journée, son chien lui raconte tout. Lui, ça existe. Notre monde est vraiment multidimensionnel. Il y a tout ici. On aura tout vu. Regardez même ça. Une femme avec des cheveux pareils, l'avez-vous déjà vu quelque part? Ça peut paraître bizarre, mais ça existe. Quel est ce monde dans lequel nous sommes? Là, on se trouve maintenant dans le monde invisible. Là, nous sommes en train de comparer le monde visible et le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a des démons. Dans le monde visible, il y a des hommes comme ça. Et les hommes pareils, on appelle des sorciers souvent. Et regardez ce que ça donne. Le monde même dans lequel nous sommes est même compliqué. Hein. C'est même compliqué. Dans le monde invisible, il y a des esprits comme ça. Ils sont même plus laids que laids. Et ils sont juste là comme ça, en train de vous regarder, vous observer. Le savez-vous? Mes frères et sœurs, ça existe. Il y a même des ninjas ici. Ici, on parle des ninjas. Les ninjas. Oh, les ninjas. Et les gens se font du karaté car ils se préparent à la bagarre. On a même appris que derrière le karaté, il y a aussi des esprits. Derrière le yoga, il y a aussi des esprits. Et les gens sont de travailler comme ça, avec des esprits. Regardez comment la tortue même est géante. Même regardez la taille de ce gars qui est en haut. Regardez la taille de cet homme qui est en haut. Et regardez la taille de la tortue. Est-ce normal? Regardez. Ça, c'est une tortue géante. Elle a existé. Et regardez même ça. Ça, c'est un humain qui a pris la tête du hibou. Pour ce humain-là, lui, son travail, c'est de transformer en hibou. C'était sorcier à derrière. Et les sorciers peuvent se transformer en hibou. C'est-à-dire un homme. Quand Dieu t'a créé à l'image de Dieu. Et on t'initie. À l'opétis. Et dans le monde invisible, quand tu te transformes en une personne qui a la tête d'un hibou. Le hibou, c'est un animal très utilisé dans l'occultisme. Hein? Faites très attention. Et on parle même des dragons. Comment on appelle ça? Les dinosaures géants. Ah! Tout ça, ça existait dans notre monde. Mais des dinosaures aussi grands. Comment est-ce qu'ils ont pu disparaître comme ça? S'ils sont si grands et si forts. Et si robuste, ça m'étonne quand même, hein? Ça m'étonne. Où ce sont encore les créatures de l'esprit? Regardez même ça. Les gens qui se bagarrent dans les airs. Quand vous voyez les trucs pareils où les gens se bagarrent dans les airs, même dans les films, comme si vous êtes en train de voir un homme sur un oiseau, et ils sont en train de se bagarrer comme ça. En principe, c'est pas normal. Peut-être que tu me diras que c'est l'avion. L'avion, voilà. Ça envoie. Sinon, ça, si ça existe, c'est que ce sont les démons. Qui sont dans les airs là-bas, les démons qui sont tous dans les airs. Et ils sont nombreux comme ça. Hein. Ils sont nombreux comme ça, les démons qui sont tous dans les airs, ils sont nombreux comme ça. Ils arrivent.
Et toi, si tu es là. Eh bien, c'est de quoi? Oui. Mais moi, c'est peur. C'est pourquoi nous devons vraiment prier. Et nos prières doivent avoir une force. Nous devons nous rechercher. Nous devons rechercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. C'est important. Et quand une personne prie vraiment, sa prière dégage une force. Une force, ce qu'on appelle même la force de la prière. Regardez même comme la mer est en feu. Waouh! C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ça, c'est incroyable! C'est vraiment bien. Ce que je vois ça, ça m'encourage à prier. Mais c'est spirituellement parlant, ça se passe. Ça, c'est le monde invisible. Le monde invisible. Ce que le jeu est invisible, pour avoir les yeux spirituels, tu vois ça. Et le paradis. Le paradis, tout le monde verra ça. Mais là encore, ce sont les gens qui vont, ne seront plus vivants, qui vont voir le paradis. Parce que le paradis est censé être pour les gens qui sont déjà sortis de ce corps-là. Hein? Ou bien, là encore, ça veut dire que décidément, le monde invisible domine fortement le monde visible. Et parce que tout ce qui se passe dans notre monde ici commence déjà chez eux. Ça commence déjà chez eux là-bas. C'est là-bas ça commence. Oh, c'est joli quand même. Hein? Regardez-vous. Tout ce qui se passe dans notre monde commence déjà dans le monde invisible. Quand quelqu'un prie, il se connecte au monde invisible. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Est-ce que Dieu, tu peux le voir? Dieu, tu ne peux pas le voir. Mais Dieu peut t'accorder les choses qu'on trouve dans le monde invisible. D'abord, c'est-à-dire dans le monde invisible, ce qu'on appelle dans le monde spirituel, ce que tu demandes à avoir physiquement, tu dois d'abord l'avoir là-bas pour espérer l'avoir physiquement ici un jour. Et au jour que Dieu lui-même aura décidé de te donner la chose, de te donner. Et ça, c'est réel. Le paradis, mais c'est pas ça le paradis. Ça, c'est juste un appel, un bref aperçu de ce à quoi ressemble réellement ce lieu. Mais après, le paradis est c'est des milliards de fois plus grand que ça. Plus grand, plus joli, plus beau. Vous ne pouvez pas vous imaginer quoi. Moi, je pense que notre priorité sera de tout mettre en œuvre pour le paradis. Et pour le paradis, il faut faire de bonnes œuvres. C'est comme les gens qui ont des sceaux, comme les sceaux de ces jeunes filles qui sont là. Et chaque fruit, chaque goutte qui se trouve à l'intérieur, chaque œuf dans cette chose qu'elle a dans la main, dans ce sceau, représente vos œuvres. Ce que vous avez fait sur la terre, ce que vous faites, comment vous êtes bien avec ceux qui sont vous entourent. C'est toutes ces choses-là qui vont être des poids pour vous devant Dieu. Mais on dit qu'un seul péché peut plonger quelqu'un en enfer. Et Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de tous mes abonnés. Mes frères et sœurs, soyons forts. On dit que même que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Soyons forts. Dieu va nous aider. Le paradis est grand. Nous devons entrer là-bas avec ce que nous faisons. Nous ne sommes pas les amis d'accuser pour rien. Regardez. Waouh! Vous voyez ça? D'ici, on est parti jusqu'à là. Et on est arrivé jusqu'à ici encore. On peut même zoomer encore dans l'image pour voir en détail. Ça, c'est une image en HD. Et cette haute définition. C'est pourquoi vous pouvez voir même les détails, comme vous le voyez. Comme ça. C'est-à-dire que le Dieu spirituel même peut nous permettre de voir même les détails des choses avant même qu'elles arrivent. Regardez comment la pointe du doigt, mais la chose qui arrive là-bas.
Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, je vois, vous les pasteurs, vous allez dire les prophètes. Oh, je vois une grande bénédiction qui arrive pour toi. Et lui, il a vu ça très longtemps comme ça. Regardez, il voit ça de loin. Parce qu'avec les yeux spirituels, on peut voir les choses avant qu'elles ne se produisent. Et les sorciers peuvent voir les choses aussi avant qu'elles ne se produisent. C'est pourquoi, dès qu'ils savent qu'il y a une bénédiction qui arrive pour toi, ils vont commencer à te placer des billes, te mettre des bateaux dans les coups. Oui, juste pour que toi tu puisses t'éviter. Tu puisses même ne pas attendre. Regardez. Tu puisses même ne pas attendre la chose qui arrive. Hein. Et puis tu vas quitter là. Regardez pendant les deux filles. Ça reprend le jour. C'est comme si c'est une bénédiction qui arrive pour vous. Le sorcier a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Le sorcier peut venir se mettre juste là. Et vous dit, oh, du tout en attendant la chose, ça ne vient pas. Allons-y. Oh, la chose qui arrive là. Vous, elle arrive vraiment. Hein? Mais vous ne pouvez pas la voir facilement. Sauf les gens qui ont les yeux spirituels. C'est seulement eux qui peuvent voir. Et même porter du doigt pour dire, voici tel endroit où ça va venir. Mais vous ne le voyez pas. Et vous pouvez dire, Seigneur, je peux être pour moi, quelque chose de moi. C'est là le social, lui, de croire pour vous dire, oh mon ami, tu coupes beaucoup de plus à ta gueule, toi. Quitte le chemin, la femme va donner. Oh, la chose qui arrive, elle est même plus loin. Regardez la distance. Regardez bien la distance. Toi, tu dois juste attendre un peu seulement. Même si ça prend 10 ans. 10 ans, ce n'est rien. Attends. Le peuple d'Israël a fait 40 ans. Le péché, parfois, ça éloigne les choses, les bonnes choses de nous, hein, de notre chemin. C'est pourquoi nous avons besoin toujours apprendre à ne pas pécher et à pardonner tous ces jeunes choses. Si vous êtes d'accord avec nous, mes frères et sœurs, acceptez ce que vous avez fait et soyez patient. Donc, on lui demande à la Galaxie, on lui dit d'être patient, on lui dit d'avoir les fruits de l'esprit, de manifester tous les fruits de l'esprit, tout ça. À la patience, la persévérance, la douceur, la joie, la paix, la bénignité, la tempérance. C'est pas pour rien. Tout ces choses, quand tu vois ça, tu dis, ah, c'est quoi ça? Pas les bons français ici. Hein, tu as besoin de ça. Si tu veux attendre la bénédiction venir, oh, ça ne va pas facilement. Tu dois vraiment attendre quelque chose venir de Dieu. Là, forcément, tu dois être patient parce que tu vas sentir que ça n'aime pas venir. Au fur et à mesure que tu passes à ça, ça se vient de toi. Donc, toi, tu dois même penser à autre chose. Fais ce que tu dois faire et ça va te surprendre un jour. Mais garde ton chemin, garde le bon chemin. N'abandonne jamais cette foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, frères et sœurs. C'est une vidéo que je fais avec beaucoup d'émotion parce que ce que j'ai vu là, tuer les hommes, les chiens, ça m'a vraiment choqué. Mes frères et sœurs, n'entrez pas dans l'occultisme et ne cherchez pas à ressembler à des trucs pareils. Les gens se transforment en oiseaux. Mais regardez vous même. Qu'est-ce qu'il va pas, qu'est-ce qu'il y a? Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Hey! Abonnez-vous sur notre chaîne, si vous allez la balle à terre. Abonnez-vous aussi, là. Il y a souvent 3, il y a souvent 2, il y a souvent 2. Regardez-moi ça. Waouh! Waouh! C'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, vous pouvez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour me soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Nous vous recommandons de faire le don, gars. Ouais, c'est génial. Waouh! Je suis là.